PEGI 18. Et bonjour à tous, c'est Brian, je se trouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3, comme dit Black Ops 3. Alors on va faire le multijoueur. Alors je suis au niveau 15, j'ai déjà joué un peu avec les copains et tout. Alors on va faire partie publique. On va jeter mode studio. Et en fait je savais même pas qu'il y avait un mode studio. Ça c'est classe. Parce qu'il y a plus de mode studio dans les autres Call of Duty, à part Black Ops 2. Donc du coup, c'est nickel. C'est très bien pour ceux qui ne peuvent pas faire comme moi enregistrer du gameplay. Vous pouvez faire avec ça. C'est très bien. Bon, j'ai déjà joué un peu. Bon, niveau 15, ça va. Vous allez voir, il y en a, ils ont des putains de niveaux quand même. Il y en a, ils rushent le jeu. En spécialiste, pour l'instant, j'ai Ruin avec point de choc. Après, bon, il y a Outrider, Prophet, Battery, Seraph, Nomad, Reaper, Spectre et Fearbreak. Allez, bon, ma classe, voilà. J'ai pris qui est une 44. Elle ressemble à une AK-47 avec un petit pistolet MR6. Sur l'arme principale j'ai mis alors ça je sais pas, en fait ça je vais tester parce que je sais pas ce que c'est. Je viens de le débloquer. AOB3. Là après j'ai mis la crosse et la poignée, sauf que du coup j'ai deux trucs ouais. C'est gros calibre que je voulais, mais bon. Comme ça j'ai. Voilà, la crosse ça suffit largement. Bon là une frag, une paralysante, post-combustion, les propulseurs de recharge plus vite. Empreinte. Afficher l'empreinte numérique des traces de pas ennemis. Et là, fonceur, mais je vais prendre écoute car je suis avec mon casque. Donc du coup, ce sera mieux. Voilà. Empreinte, ça c'est bien. Il y a sixième sens aussi qui est pas mal. Qui est là. Il affiche la direction des déplacements ennemis proches sur la mini carte. On va le prendre aussi. Voilà. Bon là juste au cas où. Alors, attendez. Hop hop. Voilà. Allez. Et on va faire comme map. De cartes plus petites, donc Nocturne et des modes jeu frénétique. Ok, alors voilà. On va juste la majorité, on va jouer sur Nocturne, sur la nouvelle map Nocturne. J'ai vu que j'avais des trucs camouflage. Ah voilà. On va prendre ça, tiens. Bon, peinture, après il faudra que je la fasse. Ok. Alors. On va attendre un peu.
Voilà. Dernier rempart. C'est avec le robot en fait. Il faut exporter un robot dans le camp Dernier ennemi. rempart. Et à l'inverse, en gros, dès que c'est l'ennemi, il faut défendre. On va Et pas voilà. rester planté sur place. On va tout faire péter. Empêcher la livraison de ce robot. Voilà. Arrêtez le robot. Robot à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y en a plein qui jouent pas d'objectif, qui sont là juste pour le kill. Ouais, le robot il faut pas qu'il bouge en fait. Il faut pas qu'il aille dans notre camp. Ah mince. Je sais pas si j'arrive à faire bouger le robot. Ennemi à terre. Voilà. Oui, vous voyez que voilà, hein, ça campe beaucoup sur ce mode de jeu. Surtout en fait dès qu'on défend. C'est un truc de fou. Lance brisée. Soit on peut faire du. On fait un putain de score ou soit on fait que de la merde. Je joue chaud moi. Mince. Okay. Cyber atout en miettes. Oh, ça va. Vous voyez, ça fait pas comme ça en fait. Et du coup, on les voit. Ah mince. Drone allié en approche. Dégagez. Le robot ennemi est désactivé. Drone de brouillage allié en approche. Soldat éliminé. Batterie morte au combat. 11. Après le robot, voilà, il est là. Alors, on voit que les autres ils jouent pas l'objectif du tout. Ou ils arrivent pas à accéder. C'est nous qui campons. C'est l'heure de tout ravager. En fait, les autres ils arrêtent pas d'attaquer. Donc, du coup, bah, ils peuvent pas trop. Ils peuvent pas trop faire quelque chose, on va dire. Regardez, les autres sont là-bas, là. Ah, drone de brouillage en approche. Drone allié en approche. Menace neutralisée. Battu. Je fais du pré-shoot hein, parce que je sais qu'ils arrivent beaucoup là. Ruine
Bon, j'ai eu un petit fail là. What? Ah. On approche du point de non-retour. Accélère. Mince. Restez mais sur la même lancée pour la prochaine manche. Maintenant ça nous attaquer en fait. Bon voilà. On pouvait rien faire franchement. Ici c'est plus dur à passer. Après dès qu'on arrive dans la base ennemie, c'est tout de suite plus facile. Mi-temps. Est-ce que le robot arrive intact à la base ennemie? On voit ceux qui sont full rush. Du robot négatif. Pas exactement les tuer. Oh, bah là-bas aussi c'est full rush. Le truc qui sert à rien du tout. Oh là là. Ouais, franchement, là, ils ont rien pu faire. 12-8, je le fais. Ça va. Alors, j'espère que la map New Town vous a plu. On leur a mis une bonne raclée, les gars. Les 54 immortels écrasent toute résistance. Voilà, 12-8, bon. En même temps, ouais, ça jouait un peu bizarrement. L'autre, il s'est fait plaisir, 44-12. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!